Alors, ce matin, notre message va s'intituler L'épreuve de la vision céleste. L'épreuve de la vision céleste. Et nous allons pour cela nous appuyer sur le témoignage de Paul qui se trouve dans Actes 26. Et nous allons faire une lecture à partir du verset 1. Lisons cela. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu, la promesse que Dieu a faite à nos pères. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem,
dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. L'épreuve de la vision céleste. Nous connaissons Paul. C'est effectivement la personne que le Seigneur avait choisie pour nous délivrer, pour que la parole de Dieu, pour que la visitation du Seigneur aille jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça ne peut que nous marquer ce qu'il est en train de dire alors qu'il est dans les chaînes. Tout à l'heure, on a parlé de la prison et là, nous voyons encore un serviteur de Dieu qui est dans les chaînes, menacé de mort et qui se retrouve devant le roi Agrippa pour plaider sa cause. Alors comment cet homme est arrivé là, c'est ce qu'il vient d'expliquer. D'abord, il a manifesté son zèle pour la religion de ses pères. Et cela doit t'interpeller. Parce qu'il y a la religion, oui, mais il y a avant tout la connaissance de l'Éternel. On peut avoir des pratiques religieuses. Cela ne veut pas dire que nous soyons en train de servir Dieu. Cela ne veut pas dire que cela est au service de Dieu, ni au service du peuple de Dieu. Là, au contraire, c'est quand même saisissant ce qu'il vient de nous expliquer. Qu'il a passé toute sa jeunesse à apprendre les choses de Dieu. Et il a été enseigné par les plus grands professeurs de son temps, notamment Gamaliel, un homme sage, reconnu et réputé. Donc il a été à cette école-là. Et il a suivi rigoureusement cet enseignement. Et voici qu'apparaît Jésus-Christ de Nazareth. Et avant lui, Jean-Baptiste, comme on a entendu. Des personnes qui ont commencé à prêcher un temps nouveau. Ils ont prêché d'abord l'accomplissement de la promesse. Cela veut dire qu'on entend une promesse. On essaye de marcher vers cette promesse. On essaye d'interpréter, de comprendre cette promesse. Et cela peut produire des habitudes. Et pourtant, c'est la promesse de Dieu. Et pourtant, on cherche son accomplissement. Mais on peut facilement s'écarter du droit chemin. On peut entendre les choses de Dieu sans savoir comment marcher fidèlement par ces choses. On peut s'écarter du droit chemin et ne pas pouvoir se renouveler dans le temps. Parce que la promesse de Dieu est vivante, comme la parole est vivante. La parole n'est pas figée. La parole n'est pas une pierre qu'on a posée quelque part et qui ne vit pas. La parole vit. Et on voit que ceux qui ont reçu cette parole se sont figés dans ce qu'ils ont cru comprendre, ou dans des pratiques d'avant. Mais ici, nous voyons que Dieu qui envoie, qui parle aux hommes, ne disparaît pas de la situation pour dire, je vous ai donné mes lois, je vous ai donné ma parole, vous connaissez ma volonté, alors faites, et puis un jour on se retrouve pour voir si vous l'avez bien fait. Non, Dieu veut nous conduire. Dieu veut te conduire. Dans ce que tu comprends de sa parole, il veut te montrer que oui, là tu as compris. Là tu n'as pas compris. Là tu t'es égaré. Là tu t'es écarté. Tu crois comprendre ça, mais ce n'est pas mon intention. Dieu, c'est ce qu'il a promis à Israël. Moïse lui-même a dit au Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, on ne va pas.
Donc, il avait bien compris que ce n'est pas simple ou facile pour un homme de pouvoir comprendre les choses et de les appliquer. Mais il comprend aussi la dynamique humaine, la volonté humaine qui s'immisce dans ce que Dieu dit. L'homme aussi veut régner. L'homme aussi veut faire les choses. L'homme aussi a des intentions. Et donc l'homme ne va pas hésiter d'utiliser même la parole de Dieu ou les choses de Dieu pour atteindre ses propres objectifs. Et là, nous nous retrouvons devant un récit qui nous dit, mais voici un des meilleurs élèves de l'enseignement hébraïque, des juifs, et qui nous dit ici un égarement terrible. Un égarement terrible. Pourquoi ? Parce que Dieu a envoyé un homme. De surcroît, un homme qui était annoncé dès le commencement que le Christ viendrait. Mais le Christ vient pourquoi ? Puisque les prophètes sont envoyés dès le matin. Pourquoi le Christ doit venir ? Si le fait pour l'homme d'entendre la parole de Dieu suffisait pour qu'il marche dans les voies de Dieu, pourquoi envoyer le Christ ? Est-ce que le Christ, c'est simplement une continuité des prophètes qui sont venus ? Ou est-ce que c'est aussi une rupture ? Est-ce que c'est un renouvellement ? Est-ce que c'est un accomplissement qu'il apporte ? Oui, le Christ vient pour accomplir la parole. Cela veut dire aussi que ceux qui l'ont reçu ne pourront pas l'accomplir, ne sauront pas l'accomplir. Et le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Oui. Sans le Seigneur, tu ne peux rien. Nous aussi, on a reçu la parole. On a reçu la prédication et les églises ont pris place dans les nations. Mais le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Et le Seigneur a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Il nous est parlé, comme nous allons le méditer cette semaine, de la vie abondante, c'est-à-dire le berger, qui seul peut nous conduire dans la vie abondante que nous espérons. Donc, il y a cette nécessité pour Dieu d'accomplir lui-même ce qu'il a annoncé. Parce qu'un homme ne pourrait pas le faire. Pour cela, il faut être Dieu. Ou alors le Christ. Donc, Israël s'est égaré par rapport à l'intention de Dieu, par rapport à la bonne compréhension, c'est-à-dire l'esprit de la loi qu'ils ont reçue. Mais les pratiques religieuses se sont intensifiées. Sont devenues très fortes. Et beaucoup de gens périssent à cause de cela. Donc Dieu a envoyé Jésus en conformité avec sa parole et ses promesses. Mais l'homme qui veut s'approprier les choses de Dieu pour faire selon lui ne reconnaît pas Jésus. Et Paul fait partie de ceux qui ont cru bon combattre Jésus de Nazareth, y compris même après sa mort. On veut combattre tout ce qu'il représente, tout ce qu'il a laissé comme enseignement. Donc ça veut dire que cet enseignement qu'ont reçu ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont suivi, ses disciples, il faut les anéantir. Il faut les anéantir. Voilà. Parce qu'on n'accepte pas cette secte-là. Voilà. Et ça, c'est pour les personnes qui aiment accuser les uns et les autres de secte. Mais il faut savoir que c'est comme ça aussi qu'on a traité l'évangile au début. Paul lui-même, il dit, parlant même des pharisiens, que c'est une secte, mais pas dans le sens négatif du terme. Voilà. Dans le sens de segment de quelque chose. Ça veut dire qu'à cette époque, il y avait notamment deux segments importants dans la religion juive qui étaient les pharisiens et les sadducéens. Et comme aujourd'hui, vous voyez qu'il y a plein de segments. Donc, ce n'est pas dans le sens négatif de rejeter ou de mépriser une action en traitant de secte comme on le voit ici en France. Donc pour eux, cette secte-là ne devait pas être admise. Il fallait la secte des Nazaréens. Elle devait être exterminée. Et donc beaucoup de personnes ont été jetées en prison.
beaucoup ont été emmenés à blasphémer, c'est-à-dire de renoncer à Jésus, de pouvoir le proclamer comme un imposteur. Donc Paul a fait toutes ces choses et beaucoup ont été mis à mort comme Étienne. Et Paul était là pour dire oui, oui, tuez-les, parce que c'est une hérésie. Et pour poursuivre sa religiosité, pour poursuivre son œuvre que nous connaissons maintenant être non pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de l'ennemi, ce qui doit te faire réfléchir, Satan qui se pare de lumière, qui se passe pour Dieu pour venir te donner des ordres, pour venir te dire, tu vois, lui, il n'est pas de Dieu, vas-y, tu fais comme telle chose, ça se voit déjà ici. Et Paul a reçu la mission d'aller à Damas, où se sont réfugiés des chrétiens. Devant toute la terreur qu'ils ont manifestée à Jérusalem, ils sont allés dans un pays étranger. Et là maintenant, avec l'autorisation et la mission des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire l'élite du peuple de Dieu, il a reçu d'aller à Damas pour aller persécuter et anéantir cette secte. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Et quand il est en train de faire, pour lui, il n'est pas dans la malhonnêteté. Mais il est sincèrement dans l'erreur. Oui. Lui, il est en train de faire ce qui est normal à ses yeux, selon tout l'enseignement qu'il a reçu. Il est en train de servir Dieu qu'il aime de tout son cœur, et qu'il va contre les ennemis de Dieu. Voilà. Mais quand il se retrouve maintenant sur le chemin de Damas, un phénomène se produit, comme j'aimerais que des phénomènes se produisent assez souvent dans ta vie. Ça peut recadrer les choses. Tes convictions, tes certitudes, ne suffisent pas pour être la vérité. Dieu n'a pas prévu que nous fassions ces affaires selon nous. Il n'a pas prévu de se laisser manipuler par nos postures ou toutes sortes de choses. Il a prévu lui-même d'accomplir sa propre parole. Et donc, sur la route de Damas, où Paul, à la tête d'une escorte, pour aller corriger ces blasphémateurs, ces têtus-là. Oui, il est là gaillardement en train de chevaucher. En plein midi, ça veut dire que le soleil est là, donc voilà. Et une lumière qui resplendit en plein midi. Ça, il faut que ça soit une lumière forte. Parce que quand il y a la nuit, voilà, tout peut briller. Mais pour briller en plein midi, ça veut dire au moment où le soleil est là qu'il brille, qu'une lumière qui surpasse l'éclat du soleil au point de les jeter par terre. Ça, c'est ce qu'on appelle une visitation. Donc, Paul a été visité. Paul a été visité par Dieu. Jusque-là, ce n'est pas quelque chose qui va le mettre dans tous les états. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu visite. Il sait dans sa nation que Dieu visite, que Dieu a souvent visité des hommes et des femmes. Il a visité Moïse, qu'il a souvent visité. Donc, ce qui fait que, paf, devant cette visitation, il tombe, il le sait, Dieu a visité Daniel, a visité un tel. Donc, il tombe et il entend une voix. Et tout ça, c'est pas étonnant pour lui. Ça fait partie des choses qu'il a étudiées et qu'il pouvait espérer. Et il a entendu la voix. Et il a entendu son nom être appelé. Et là, ça commence à devenir merveilleux. Saul, Saul. Ah, on est dans les choses. On est dans les choses. On est dans les choses. Et je suis là, c'est Dieu qui me parle. Enfin, mon tour est arrivé. Tout le zèle que j'ai manifesté, l'enseignement, là, mon tour est arrivé. La visitation de Dieu, on est là par terre, la lumière éclate et j'entends mon nom, Saul, Saul. On peut imaginer Moïse, Moïse, Élie, Élie. Donc maintenant, c'est Saul. Alors après, Saul, Saul.
Oui. Pourquoi me persécutes-tu? Bon, là c'est... bon, donc là, bon, là je suis dans une position... comment ça je... Bon, ok, maintenant il faut d'abord savoir, c'est qui parle? C'est qui parle? On me parle de persécuter, je suis en train de servir mon Dieu, au lieu que j'entende « Saul, Saul, alléluia, tu es mon serviteur !» Donc, qui es-tu? Oui, qui es-tu? Parce que moi, je suis en train de servir Dieu. Donc, à la limite, si j'entends Dieu me dire « Va, vas-y, mon serviteur !» Là, je dis « C'est le Dieu que je sers, c'est le même qui m'a envoyé !» Donc là, mais quand il dit « Pourquoi me persécutes-tu ?» Là, j'ai besoin de savoir c'est qui parle. Parce que là, entre la mission qui m'a été donnée et le reproche, il faut quand même savoir d'abord qui parle. « Qui es-tu, Seigneur ?» Au moins, il sait que c'est Dieu qui parle. « Qui es-tu, Seigneur ?» Ah, je suis Jésus que tu persécutes. Hein ? Jésus ? Et Seigneur, celui qu'on a crucifié, celui que les gens disent qu'il est ressuscité. Oui, je suis Jésus que tu persécutes, mais il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Et le Seigneur ne va pas s'attarder pour dire, oui, tu sais, c'est moi, tout a dit, bon, voilà, mais lève-toi et tiens-toi sur tes jambes, car je t'ai choisi. Car je t'envoie, car... Ah ouais, le Seigneur lui blague pas. Donc, il est obligé de réaliser la vérité qui vient directement du trône et qui doit s'imposer sur toutes tes certitudes ou ce que tu crois avoir compris de Dieu. Là, ce n'est pas la blague. Là, ce n'est pas un enseignement humain. Mais c'est la vérité de Dieu qui s'impose. Et ce jour-là, Paul a eu des oreilles pour entendre. Et il a entendu que tout ce dans quoi il était, tout ce zèle qu'il manifestait, n'était pas de Dieu. C'était un égarement, une erreur, sinon une oppression démoniaque. Il a compris que Jésus est Seigneur et qu'il est le Christ de Dieu. Qu'il est la plus grande promesse qui ait été faite à Israël d'être visité par son Dieu qu'il verrait et qui le conduirait comme un berger. Il a réalisé toutes ces choses. On a reçu les promesses, mais on n'a pas su les comprendre. Et on a marché selon ces promesses, mais on n'a pas gardé notre cœur dans la vérité et dans l'amour du Seigneur. Voilà. L'équation était là et il fallait la résoudre vite. Lève-toi, car je t'ai choisi pour être témoin des choses que tu as vues. Témoin des choses que tu as vues. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ça veut dire que ce n'est pas fini, Paul. Ce n'est pas fini. Tu ne pourras pas dire, oh, cette visitation-là, et puis ça s'est passé, et je tourne là. Ce n'est pas fini. Les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voilà. Et Paul, il s'est relevé, il est allé à Damas, non pas pour aller persécuter les saints, mais pour aller avec les saints. Déjà Dieu qui est bon, qui est puissant, déjà va lui témoigner l'importance des saints. Les saints ne sont pas des gens à rejeter ou des gens à mépriser. Qui va te faire recouvrir la vue maintenant que tu es aveugle? Il faut que tu ailles vers ceux que tu voulais mettre en prison pour qu'ils prient pour toi. Voilà. Là ce n'est pas tes souverains sacrificateurs, là, mais c'est eux. Tu vas aller voir Ananias et il va prier pour toi. Donc, voilà, Paul va, on prie pour lui. Et il recouvre la vue. Il est obligé de réaliser que ça, c'est vraiment des saints. C'est vraiment les saints de Dieu. Ce n'est pas tout de parler. Il faut le toucher de Dieu. Donc, Paul a été rendu témoin des choses
qu'il a vu. Ce qui veut dire aujourd'hui, toi aussi qui marches aussi bien dans la religion, oui. Si l'on considère que le mot religion veut dire relié à et que c'est à toi de savoir à qui tu es relié, ça c'est très important, savoir au moins si tu es relié au vrai Dieu. Mais une fois que tu sais que tu es relié au vrai Dieu, est-ce que tu as l'esprit qui te permet de saisir l'esprit de ce que tu entends, de ce que tu fais? Mais tu es témoin des choses que tu as vues. Tu es témoin des choses que tu as vues. Il n'y a pas qu'à Paul que Dieu est apparu. Il n'y a pas que Paul qui reçoit une vision céleste. Toi aussi, tu reçois la vision céleste. À un moment donné de ta vie, le Seigneur a agi. Il y a quelque chose qui t'a marqué. Oui, peut-être que pour toi, ce n'était pas en plein midi, sur un cheval, en allant je ne sais pas où, ou dans ta voiture, je ne sais pas. Mais parfois, en pleine nuit, tu as reçu une visitation. Tu as reçu une visitation. Tu es témoin de cela. Tu es témoin des choses pour lesquelles le Seigneur t'est apparu et des choses pour lesquelles il t'apparaîtra. Tu es témoin de ces choses. Ce qui est important, c'est le témoignage de la vérité. La vision céleste est quelque chose de déterminant. Et ce que Dieu attend, c'est la vérité. Et la vérité, c'est l'exigence de témoigner de ce qu'on a vu, de ce qu'on a reçu. Et ça, c'est très important. Vous pouvez vous perdre au milieu de l'Église, comme Paul s'est perdu au milieu de la tradition de ses pères, malgré que tu sois de bonne volonté. Malgré que tu aies du zèle pour Dieu, tu peux te perdre. Parce que voici l'exemple d'un jeune qui n'était pas un jeune voyou, qui ne marchait pas n'importe comment, mais qui était totalement consacré à Dieu, mais qui s'est perdu dans des enseignements parce qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez les Épîtres, vous verrez que nous sommes mis en garde par rapport à l'enseignement même des faux docteurs, des faux prophètes, qui peuvent te dire des choses qui vont t'impacter comme Paul a été impacté, ayant la certitude de suivre le vrai chemin. Mais ce qui importe, c'est la vision céleste. Ce qui importe, c'est le Saint-Esprit qui témoigne de la vérité. Et ici, à Paul, cette vérité a été témoignée. Que oui, tu as appris ceci, mais voici la vérité, c'est que je suis Jésus-Christ qui vit. J'étais mort, mais maintenant je vis et je tiens les clés du séjour des morts. Voilà, je suis Jésus, assis sur le trône et j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je t'ai apparu pour t'établir ministre, car je t'ai choisi. Ce n'est pas parce que tu as fait telle chose, je t'ai choisi. C'est quand même bouleversant. Je t'ai choisi. Dieu t'a choisi. Malgré ce que tu as fait. Malgré ce qui s'est passé dans ta vie. Malgré que l'ennemi a voulu t'égarer dans beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, je t'ai choisi. Et ce n'est pas en vain. Dieu, quand il vous choisit, ce n'est pas pour vous donner, ah ouais, Dieu m'a choisi, alléluia. Non, il te choisit pour l'accomplissement des choses. Il te choisit pour des temps prophétiques. Il te choisit pour être un témoin des choses que tu as vues, des choses pour lesquelles il t'est apparu, des choses pour lesquelles le Saint-Esprit a agi dans ta vie, des choses pour lesquelles Dieu t'a guéri miraculeusement, des choses pour lesquelles Dieu t'a délivré d'une oppression démoniaque, des choses pour lesquelles Dieu t'a arrêté sur ton chemin de folie. Oui, tu es témoin de ces choses. Et je peux te dire déjà qu'à cette étape de ce que tu entends, tu dois véritablement faire attention. Parce que beaucoup d'entre nous ont vu la vérité, mais n'ont pas le courage de témoigner. Tu n'as pas changé de vie. Tu n'as pas changé de vie. Parce que tu t'es tellement habitué à la séduction.
parce que tu ne vois pas comment tu vas, qu'est-ce que tu vas dire aux gens avec lesquels tu étais égaré dans ta religiosité. Tu ne vois pas comment tu vas faire différemment de l'ambiance dans laquelle tu es. Donc tu préfères oublier ou occulter la vision céleste. Mais ici, au centre du réveil chrétien, nous acceptons l'épreuve de la vision céleste. Parce que la vision céleste a une épreuve. Nous acceptons cette épreuve au lieu que de nous détourner de cette vision, au lieu que d'abandonner la vision à cause de la terreur des hommes ou des réalités ou des difficultés. Dieu est celui qui éprouve. L'homme a besoin d'être éprouvé afin d'être délivré de lui-même. Quand on extrait l'or ou l'argent, il y a des scories, il y a des choses auxquelles il faut débarrasser l'or pour que l'or soit l'or, que l'argent soit l'argent. Et ça passe par le feu. Et le feu, c'est l'épreuve. Le feu, c'est l'épreuve qui permet de séparer au milieu de toi ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est ça le contact avec la vision céleste. Nous sommes dans les ténèbres de cette terre, dans des philosophies, des idéologies, les traditions de ton église ou même les traditions de ta famille, des coutumes, comme disait Paul ici à Agrippa. Tu connais leurs coutumes et leurs discussions. Nous sommes dans toutes ces choses-là, dans tout un tas de débats dénominationnels, les uns les autres, mais ce n'est pas ça qui va nous délivrer. Ce n'est pas ça qui garantit la vérité. Ces choses, au contraire, révèlent la confusion, révèlent effectivement que nous sommes loin de Dieu. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est la vision céleste qui impose le silence et la volonté parfaite du Seigneur. Oui, ce n'est pas parfait d'aller tuer les gens sous prétexte d'eux. Ce qui est parfait, c'est d'aller sauver les âmes. Il y a des choses qui sont parfaites si tu y réfléchis. Tu verrais toi-même que c'est parfait. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de parfait que tous ces conducteurs du peuple puissent ainsi instrumentaliser les uns contre les autres, aller emmagasiner ou alors former des gens pour seul but d'aller tuer des gens sous prétexte d'aller éradiquer des hérésies? Nous acceptons l'épreuve. Et toi aussi, tu dois accepter l'épreuve de la vision céleste. Des choses que tu as comprises, des choses qu'on ne peut pas discuter parce que c'est la vérité. Surtout parce que c'est saint, parce que ça poursuit l'intention de Dieu qui est de sauver, qui est l'amour. Ces choses que personne ne peut contester, même les païens ne peuvent pas contester par rapport à l'amour, par rapport à la vérité, par rapport à la justice. Ce sont des valeurs qui s'imposent à l'humanité. Et ça, c'est saint. Par contre, vous aurez du mal à faire croire aux gens que c'est saint d'aller tuer des gens. La vision céleste est importante pour nous délivrer de la dérive, de la corruption humaine. La vision céleste est importante. Quand toi, tu es là, tu entends des témoignages, non pas seulement même de tes pasteurs, mais même des autres qui prient, qui jeûnent, qui sont visités par le Seigneur. Ça doit aujourd'hui t'intéresser, toi aussi, d'avoir la vision céleste afin d'être délivré de tes erreurs, d'être délivré de tes intentions qui ne sont pas conformes. Tu as besoin d'être délivré de toi-même, de ta mentalité, des choses qu'on a mises en toi pour t'instrumentaliser. Tu as besoin de la vision céleste. Et cette vision céleste, elle est disponible par la présence du Saint-Esprit sur la terre. À l'époque déjà, même avant que le Saint-Esprit vienne, c'était des choses effectivement qui étaient rares et ce n'était pas destiné à n'importe qui. Mais maintenant, quand le Seigneur dit, dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Voilà. La visitation, la vision céleste, elle est importante pour toi. Elle te délivre de toi-même. Moi, la visitation, la vision céleste m'a délivré de moi-même.
des choses erronées que je pouvais avoir par rapport à la religion, par rapport à telle ou telle chose, par rapport aux cultures, les noirs, les blancs, tout un tas de choses. La vision céleste délivre de tout ça. Tous ces fardeaux-là de ton héritage culturel, familial et toutes ces choses qui nous écrasent et qui nous empêchent même de servir vraiment Dieu parce qu'on n'était pas libre. La vision céleste te délivre de tout ça. Mais pourvu que tu aies l'amour de la vérité et qu'au moins que tu reconnaisses la vérité, que si je connais la vérité, je me soumettrai à la vérité. Parce qu'il y a une épreuve. Ce n'est pas des choses de ta pensée, des choses qui te dépassent. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, servir le Seigneur. Le diable travaille à empêcher la connaissance de Dieu. Il travaille à empêcher l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'il sait que chaque fois que la prophétie s'accomplit, son jour s'approche. Oui, son jour s'approche parce que le cachot l'attend. Ça dépend de l'accomplissement des choses qui ont été déclarées. Il espère, en retardant l'accomplissement des promesses qu'il écorche du champ, pour essayer de courir encore. Voilà. Donc, il travaille à égarer. Et donc, il faut même comprendre que le domaine de la religiosité, c'est son domaine de prédilection. Parce que c'est là qu'il peut vouloir paralyser les saints. En essayant d'emmener des fausses doctrines, des trucs, des compréhensions erronées. Pour que la gloire de Dieu n'éclate pas par la connaissance de l'Éternel. C'est important. Mais je répète que nous, au CRC, on bénit le Seigneur pour la vision céleste et on accepte l'épreuve que la vision céleste donne. Mon épouse et moi-même, nous nous sommes levés sur la base d'une visitation céleste. Une visitation qui nous a nous-mêmes transformés, une visitation dans laquelle nous avons placé une grande espérance et une visitation que nous avons défendue jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est très facile de sortir de la volonté parfaite du Seigneur. C'est très facile de se laisser entraîner, oh plutôt comme ça, non c'est pas comme ça, et oh c'est trop difficile, et puis de se retrouver comme nous voyons ici, finalement à côté de la vision. Mais Paul, il a eu cette vision et il agit pleinement en fonction de cette vision. Il n'a pas eu peur pour sa vie qui se retrouve tout à coup menacée par les mêmes qui ont menacé la vie des gens vers qui il a été envoyé. Il sait lui-même qu'au sortir de cette vision, la position qu'il va adopter va signifier un danger s'il accepte la vision céleste. Il n'est pas seul. Il y a des gens qui l'accompagnent. Lui, il a entendu la voix. Les autres n'ont pas entendu la voix. Les autres ont vu un phénomène qu'ils pourront interpréter comme une sorte d'éclipse solaire. Mais oui, ils pourront l'interpréter comme ils veulent. Mais qu'est-ce qui se passe? Après ce phénomène, notre chef, Paul, est devenu bizarre. D'abord, il a dit qu'il est devenu aveugle. Bon, on a dit, on va quand même à Damas, on va là-bas et puis on se dit, il va recouvrer la vue et puis on continue le job. Arrivé là-bas, il s'est éloigné de nous. Il s'est éloigné de nous, on se dit peut-être qu'il va dans un hôpital pour aller se soigner. On voit maintenant qu'il est avec ces gens-là. Ça signifie quoi? Il a trahi. Il a changé de camp. Il a retourné ça. Donc, pour les commanditaires, ça signifie un homme à battre. C'est tout. Ces histoires, soi-disant qu'il a entendu des voix, nous, on n'a pas entendu. Nous, on a vu une éclipse solaire. Mais il faut réaliser, il se retrouve directement en danger. Il se retrouve en danger. Voilà. Toi aussi, tu peux te retrouver bizarre quand tu as une vision céleste. Quand l'Esprit de Dieu t'a visité, tu peux te retrouver bizarre au milieu de ta famille.
tu peux te retrouver bizarre au milieu des personnes avec qui tu croyais connaître Dieu. Tu peux te retrouver bizarre. Et la première des choses pour Paul, c'est d'avoir accepté, ben d'accord, je suis bizarre. Mais lui, il sait que c'est avant qu'il était bizarre. Avant, il était bizarre. Et bizarrement méchant. Donc, il y a ceux qui ne peuvent, qui ne sont pas dans la vision. Il y a ceux qui ne recevront pas ta vision. Il y a ceux qui critiquent ta vision. Et il y a la vérité de la vision qui te démontre la puissance de Dieu. Tu as entendu la voix, d'autres n'ont pas entendu. Et maintenant, tu sais qui est Jésus. Et maintenant, même, tu as reçu des signes forts. Tout d'un coup, tu as perdu la vue. Et tu sais que dans la vérité, tu as perdu la vue et que tu n'es pas en train de simuler. D'ailleurs, pour quelqu'un comme Paul, il n'était pas à l'école de la simulation. Il n'était pas un comédien, ça pouvait se voir. Donc, Dieu te fait vivre des épreuves. Dieu te fait vivre des épreuves dans ton quotidien. Là où les gens ne voient pas, tu sais toi-même par quoi tu passes, des choses qui sont là pour marquer ta vie, que tu es dans la vision céleste, tu es dans la vérité de Dieu. Dieu t'a fait passer toutes ces choses et Dieu t'a envoyé vers les personnes que tu dois fréquenter, les personnes au milieu de qui tu dois marcher en donnant encore d'autres signes. Tu as perdu la vue, au milieu d'eux, tu as retrouvé la vue. Voilà. Donc, Paul, il sait qu'il y a un chemin de la vision céleste et je dois y marcher. Parce que c'est à moi que Dieu est apparu. Vous savez pourquoi on est des témoins? Mais nous sommes des témoins parce qu'il y a des choses à témoigner. Voilà. Le monde enseigne des choses. Pour le monde, les scientifiques, ils ont déjà réglé leur monde du début à la fin et ils voudraient que tout le monde avale ça, tout le monde parle. Mais malheureusement pour eux, Dieu donne la foi et Dieu donne la visitation, et donc il y a des témoins qui sont là pour dire, oui, vous dites ça, mais voici. On ne comprend pas tout, mais il y a ceci. Donc, la vision te concerne. Ce que tu as vu te concerne. Ce que tu as entendu te concerne. C'est à toi de témoigner. Pourquoi le témoignage des autres doit être plus fort que le tien? Ça dépend de comment tu défends ce que tu sais être la vérité. Comme Jésus lui-même. Il a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Voilà. Mais qu'est-ce que nous pouvons avoir à critiquer par rapport à son message? Est-ce que son message n'est pas le message qu'il faut pour l'humanité? Est-ce que l'humanité n'a pas besoin d'amour, de pardon, de réconciliation, de justice? Mais on préfère contester, rejeter à tout prix. Non, il n'est pas le Fils de Dieu. Mais ce qu'il dit témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Toi aussi, tu dis des choses qui témoignent en ta faveur. Dans ta famille, il y a besoin de ce que tu dis, mais on te rejette. Parce que c'est le caractère humain. Parce que c'est l'oppression de l'ennemi. Mais toi, tu sais que ce que tu dis, c'est la vérité. Si maintenant, toi, tu recules par rapport à ce témoignage, qui va le témoigner à ta place? Est-ce que ces personnes-là qui ont été avec Paul, qui sont tombées, qui n'ont pas entendu la voix, est-ce que c'est eux qui vont se lever si Paul recule, si Paul a peur, c'est eux qui vont se lever pour dire, ah, on ne sait pas, on a quand même vu quelque chose. Non, 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 personne ne va témoigner pour Jésus, sinon que Paul qui l'a vu. Tu es témoin des choses pour lesquelles, les choses que tu as vues. Et toi aussi qui es là, ou toi qui m'entends par Internet, tu es témoin des choses que tu as vues de la part du Seigneur. Et là, je parle de la visitation céleste. On n'est pas déjà en train de s'inquiéter de comment l'ennemi aussi est capable de produire ces choses. Là, on est dans l'évidence et la certitude de l'intervention de Dieu claire et nette. Des choses aussi dans ta vie où tu sais que c'est Dieu. Tu sais que c'est Dieu, tu sais que c'est conforme. Et il n'y a pas quelque chose de louche, il n'y a pas anguille sous roche. Et tu sais toi-même que c'est Dieu. Je te parle d'abord de défendre ces convictions-là. De défendre une telle visitation par l'esprit de vérité. Parce que beaucoup de gens ont accès à la connaissance, à la vérité, mais n'ont pas l'amour de la vérité et préfèrent la lâcheté quant à témoigner de la gloire du Seigneur. Oui. Paul a assumé l'épreuve de la visitation céleste. Il dit, je serai en danger, mais je ne vais pas me détourner de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit qu'il serait difficile de régimber avec les aiguillons. Ça veut dire qu'il ne me laisse pas le choix. Mais je préfère témoigner de la vérité. Je préfère marcher selon la vérité.
Et donc, je vais suivre le chemin de la vision céleste. Je ne vais pas repartir vers ces hypocrites maintenant. Je ne vais pas repartir vers ces méchants. Je ne vais plus repartir vers ces privilèges-là. Mais je vais suivre le chemin de la visitation céleste. Et ce chemin-là, c'est la voie étroite. Voilà. Paul sait qu'avec les principaux sacrificateurs, il a la gloire, il a la parole. Je suis avec les grands du peuple. Mais la voie de la visitation céleste l'emmène vers ce qu'on traitait de sectaires, de ceux qui fuient, qui se cachent pour prier. Eh bien, c'est la voie que tu vas prendre. C'est l'épreuve. Il faut déjà renoncer à toi-même et abandonner l'orgueil. Sans l'humilité, tu ne peux pas prendre la voie céleste. Parce que la voie céleste, bien sûr, nous vaut la gloire de Dieu, l'onction et tout ça. Mais le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. La voie céleste, la voie étroite, la voie de l'humilité. La voie de l'humilité qui est là pour te délivrer déjà de l'orgueil et de toutes ces choses. Eh bien, Paul a accepté. Comme Pierre avant lui, comme Jean, comme Jacques, de prendre cette voie de l'humilité où on part, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir, on ne sait pas où est-ce que, dans quel danger on va passer, où la lapidation n'est pas loin, où le mépris, mais tu sais que c'est la voie de Dieu. Satan s'est rendu maître du monde, mais la lumière brille au milieu des ténèbres. Le chemin de Dieu, il est étroit, mais c'est un chemin de vérité, c'est la voie sainte. Il faut que tu l'acceptes. Comme au CRC, nous avons accepté cette voie céleste et que cela nous a coûté beaucoup d'épreuves et aussi beaucoup de rejets. Oui, parce qu'on dit, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Oui, mais nous, on veille à la vision céleste. On veut qu'elle s'accomplisse. On veut que l'esprit nous conduise. On préfère accepter d'être éprouvé, de traverser des déserts. On préfère recommencer toutes ces choses pour atteindre l'objectif de la vocation céleste pour atteindre, pour marcher en harmonie avec le Saint-Esprit du Seigneur sans lequel nous sommes égarés. Voilà, sans lequel tu es égaré. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre la parole. Tu ne seras que dans la lettre, mais tu ne seras pas dans l'Esprit. Le Seigneur lui-même, il a dit aux pharisiens, vous lapidez les gens, vous faites ceci, vous faites cela, vous demandez de payer les dîmes, de toutes ces choses, mais vous avez oublié ce qui est plus important dans la loi, l'amour et la miséricorde, la justice. C'est quand même ça l'intention de Dieu. Et nous savons que si la loi est rigoureuse, elle est là, elle vise à révéler le péché et à recadrer les malfrats, mais l'amour de Dieu, Dieu est amour. Donc l'intention de Dieu, c'est l'amour. Donc on ne doit pas s'étonner que Dieu pardonne, qu'on ne doit pas s'étonner que la miséricorde vienne comme anéantir le jugement. Donc on doit comprendre l'esprit de la loi. Quelle est l'intention de Dieu? Quel est l'objectif que Dieu poursuit? Mais nous on dit oui, œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça. Mais en fait, on manifeste notre propre méchanceté en prenant comme alibi que Dieu est d'accord avec nous. Souvenez-vous des gens qui sont venus devant Jésus et qui ont emmené une femme pour dire, voilà, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit. Et la loi de Moïse nous autorise à la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Voilà. Donc, ça veut dire, viens avec nous, on va lapider cette femme. Vous l'avez attrapée en flagrant délit, avec qui? Et pourquoi elle est là toute seule? Elle n'était pas en train de se masturber. Donc, où est la justice? Où est la justice? Donc, on voit. Donc, nous sommes inaptes même à interpréter la loi. Voilà, à cause de nos cœurs mauvais. Et Dieu ne va pas se mêler à ça. C'est pour ça qu'il faut la visitation. Tu dois marcher dans la lumière d'en haut. Tu dois marcher dans la communion du Saint-Esprit. Et pour ça, il faut aimer la vérité. Il faut renoncer aux mensonges. Il faut renoncer à toutes les choses. David dit, éclaire mes ténèbres. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Quand tu reçois une vision céleste, tu dois marcher dans cette vision. Parce que ce qui importe pour le Seigneur, c'est de nous sanctifier. Et la vision céleste est là pour te sanctifier. Paul a été sanctifié par cette vision céleste. Il a reçu le témoignage de la vérité.
Et il a accepté de changer totalement. Et il a accepté d'abandonner l'orgueil, la fureur de nos prétentions pour tout simplement se laisser conduire par le Seigneur, selon sa volonté, sur un chemin qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne comprend pas, ou avec des gens qu'on n'aurait pas choisi d'être. Mais tout simplement à cause de cette vérité qui s'impose d'en haut, alors il a compris que ça, c'est des saints. Et nous, c'est les pécheurs. Moi, je faisais partie des pécheurs malgré ma religiosité. Mais voici les saints du Seigneur. Ceux qui sont mis à mort pour son nom. Ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur jusqu'à donner leur propre vie. Ceux qui ne cherchent pas les apparats, mais qui servent le Seigneur avec vérité. Et c'est parmi eux que je dois être. Et ça nous rappelle aussi Moïse. Moïse, par les circonstances toujours de Dieu, s'est retrouvé dans la maison de Pharaon et est devenu un prince d'Égypte. Mais quand la visitation céleste est descendue, il a réalisé que non, je ne suis pas un pharaon. Je ne suis pas de la famille de Pharaon, mais je suis de la famille des esclaves, de ceux qui sont mis à mort pour la gloire de l'Éternel. Oui. Quand il n'y a pas la justice, Dieu est avec les opprimés. Dieu est avec ceux que l'on méprise. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il y a des gens qui souffrent pour la justice, qui subissent, mais c'est eux la justice. C'est pour eux la justice. La justice, ce n'est pas pour les plus forts. C'est l'épreuve de la vision céleste. Quand la vision céleste vient dans ta vie, tu n'auras peut-être pas le succès au milieu des personnes qui, eux, marchent loin de Dieu. Mais c'est le chemin de la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Tout est question de temps. Dieu agit dans le temps. Chacun doit poursuivre sa route. Mais ce matin, apprends comme Paul à recevoir la vision céleste et à te laisser transformer par cette vision céleste et à rendre gloire à Dieu qui t'a délivré du mensonge. Parce que si tu meurs au milieu de tes péchés, de ta religiosité, c'est dangereux pour toi. Il vaut mieux que Dieu te visite. Et aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit conduit l'Église, on ne peut pas se retrouver que la vision céleste soit pour toi un prodige, quelque chose qui ne rentre même pas dans ta tête. Non, tu dois la rechercher. Le Saint-Esprit est là pour vous confirmer. Les enseignements que vous recevez, vous en avez vous-même les témoignages de ce que Dieu vous témoigne, de ce que Dieu vous dit. Les combats auxquels nous sommes confrontés, même par rapport à la vision, vous en avez vous-même le témoignage que nous sommes sur la voie de Dieu. C'est un chemin d'épreuve, c'est un chemin parfois difficile, un chemin d'humilité. Mais vous avez vous-même la visitation du Seigneur qui vous témoigne par des songes, par des visions, que c'est sa volonté. Et devant cette volonté, nous tous nous plions, mon épouse et moi, les premiers, et vous avec, parce que nous sommes aussi un peuple auquel Dieu est apparu. Et nous sommes témoins des choses qu'on a vues, des choses qu'on reçoit, et des choses pour lesquelles Dieu nous apparaîtra encore au milieu de notre génération. Parce que la vision céleste donne une mission, et Paul a reçu la mission. Et selon cette mission, je t'ai apparu pour que tu sois témoin au milieu d'Israël et au milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, vous voyez, Dieu a ouvert les yeux de Paul. Et Dieu a donné à l'Église le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est pour ça que Paul est devenu aveugle et qu'il est allé vers les chrétiens pour qu'ils lui ouvrent les yeux. Ça veut dire que nous avons reçu le pouvoir d'ouvrir les yeux des païens. Au lieu que de les critiquer, de les rejeter, il faut aller leur témoigner la vérité de ce qu'on a reçu, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut aller témoigner, c'est ça qui leur ouvre les yeux. C'est ça, je vous envoie vers eux, parce que Dieu travaille pour sauver. Dieu travaille pour sauver. Dieu voit l'oppression du diable. Dieu voit tout ce que l'ennemi fait. Mais Dieu travaille pour sauver des gens. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et Paul a bien compris cette mission. Non seulement qu'il a accepté la mission avec toutes les preuves. Et là, il est dans les chaînes. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve de la vision céleste. Tout à l'heure, on a parlé de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste s'est retrouvé aussi en prison. C'est l'épreuve de la vision céleste. Et ce n'est pas de la blague. C'est quelque chose d'éprouvant, de difficile.
quand même, ils se retrouvent à se dire, mais est-ce que c'est celui qu'on attend, c'est qu'il veut voir aussi l'accomplissement. Et il voit que parfois les choses, comme si ça tarde, comme on ne comprend pas avec la perfection de ce qu'on a reçu, comment on se retrouve dans les chaînes, comment on se retrouve, eh bien c'est l'épreuve. Le Seigneur disait aux apôtres dans Jean 16, il dit, il leur a révélé beaucoup de choses en disant que vous serez battus de verges dans les synagogues et même que des personnes qui vous mettront à mort croiront rendre un culte à Dieu. Après, il dit, je ne vous ai pas dit ces choses dès le début parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je vous l'ai dit. Je vous dis que ça peut vous donner froid au dos. Mais c'est l'épreuve de la vision céleste. C'est le chemin, c'est la voie sainte. Le chemin de Dieu détonne avec l'ambiance qui t'entoure. C'est normal. On est abreuvé de mensonges et de toutes ces choses, et la vérité va tomber comme une épée à double tranchant. Mais je t'encourage à être volontaire comme Paul. Paul était sincèrement dans l'erreur. Mais quand il a connu la vérité, il n'a pas tergiversé avec le mensonge. Toi aussi, arrête de tergiverser avec le mensonge, même si que tu vois dans ta famille, sous prétexte des traditions, de l'héritage de ton grand-père que tu aimais bien. Mais ne tergiverse pas avec le mensonge. Si Dieu t'éclaire de sa vérité, c'est à toi de témoigner à ta génération. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Parce que tu as été marqué depuis le sein maternel. D'ailleurs, tu as souffert dans ces ambiances-là. Tu t'es toujours senti un peu bizarre dans des choses que tu entendais à peu près, même dans ta famille ou même dans ton assemblée. Tu entends, mais dans ton esprit, il y a quelque chose qui témoignait que, comme si ce n'est pas clair. Et maintenant que Dieu t'a éclairé, ce qui importe maintenant, c'est le courage de la vérité. Dans le centre du réveil chrétien, nous avons besoin d'un peuple qui témoigne des choses que l'on a vues, des choses qu'on vit au quotidien. Vous êtes touché par l'Esprit de Dieu qui travaille ici. Tu as été guéri. Tu as été délivré de cette oppression qui te tenait dans les échecs et dans toutes ces choses. Dieu a fait des prodiges. Ce que Dieu demande, ce que je demande aussi, c'est que tu sois témoin des choses que tu as vues, que tu as vécues, et des choses, de la vision. Oui, cette vision, elle est éprouvée devant vous. Ça fait maintenant 15 ans qu'on y marche dedans. Il y en a qui étaient là depuis très longtemps et d'autres qui arrivent. Ici, de toute façon, tu n'as pas besoin de faire même 2 ans pour que la vision céleste atteigne, pour que tu vives les choses. Oui, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Voilà. Ce qu'on veut, c'est être des témoins fidèles. Dieu travaille à accomplir sa propre parole. Nous sommes dans des temps prophétiques. Et dans ces temps prophétiques, ce sont des temps de la fin. Ça veut dire que la compassion divine agit avec puissance pour sauver le plus grand nombre. Après, c'est le jour du Seigneur, un jour terrible. C'est maintenant que tu peux témoigner et ne laisse plus le temps passer. Ne sois plus dans des compromissions. Témoigne de la vérité et ce que tu témoignes n'est pas quelque chose de contre les gens. Au contraire, ton témoignage est attendu et même les gens que tu redoutes, « Oh, ils n'accepteront pas mon témoignage. » Oui, tu n'es pas Dieu. Mais Dieu t'a appelé pour une raison. Regardez, Paul, il était en train de témoigner déjà avec zèle que j'ai prêché l'évangile sans m'écarter des promesses et je l'ai prêché. Est-ce que nous ne sommes pas là aujourd'hui? Est-ce qu'il pouvait même voir tout le fruit que Dieu allait donner à son zèle? Toi aussi. Quand tu acceptes avec vérité la vision céleste et que tu acceptes l'épreuve et que tu saches qu'avant toi, Shadrach, Meshach, Abednego sont retrouvés dans la fournaise et qu'ils n'ont pas rejeté ni nié la vision céleste, que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion et tous les saints qui ont marché se sont retrouvés dans des épreuves. Mais c'est l'épreuve de vérité. C'est la gloire du Seigneur. Et Jésus ne nous a pas caché ces choses. Il nous a enseigné que notre chemin sera difficile. Mais c'est le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin qui triomphe sur la terre parce que c'est la résistance aux mensonges du diable
C'est la gloire de l'Église, Christ en nous, l'homme de souffrance, rejeté par tous. Il est en toi et parfois tu es rejeté par tous, mais tu marches sur le chemin de la victoire. Alors, bien-aimé, l'heure est avancée par rapport à notre génération. Il est temps que se lèvent des Paul au milieu de nous, des gens qui marchent dans la vision céleste et qui en acceptent l'épreuve qui purifie, qui sanctifie. L'épreuve qui te rend semblable à ton Dieu, à ton Seigneur. Parce qu'il est écrit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Le Seigneur n'a pas reculé devant l'épreuve. Et il sait qu'il est venu pour donner sa vie à la croix et il s'en est glorifié. Il dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voyez quelqu'un qui se glorifie de ses épreuves. Parce qu'il sait que de ces épreuves va découler la vie, va découler la délivrance, que ces épreuves, c'est ça qui renverse Satan, c'est ça qui disperse toutes ces idéologies. Ce sont ces épreuves, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel est là pour te sanctifier, et ton témoignage est un fruit que tu portes devant Dieu. Ton témoignage témoigne que tu marches avec le Seigneur, que tu poursuis l'œuvre du Seigneur. Paul a dit, j'achève les souffrances de Christ. Jusqu'à ce que vous soyez formés. Donc, on est là pour que l'Église avance. L'Église avance sur ce témoignage où les portes du séjour de mort ne doivent pas prévaloir sur toi. Quelles que soient les attaques, quelle que soit l'opposition démoniaque ou même l'opposition humaine, mais c'est Dieu qui domine sur toi. Tu te soumets à lui. Tu acceptes tes épreuves. Et c'est ça ton culte. C'est ça ta louange au Seigneur au travers de toutes ces choses. Comme Paul a dit ici, par le secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à maintenant. Et il savait qu'il devait aller jusqu'à Rome. Dieu te conduit sur un chemin peut-être dangereux, mais il est fidèle. Il est celui qui tient ta destinée. Et il te délivrera de la fournaise et de la gueule des lions. Il ouvrira un chemin au travers du grand abîme, comme la mer s'est ouverte devant les enfants d'Israël. Et tu vas traverser. Il te fera traverser tous les déserts de ta vie. Et il te délivrera de la morsure des serpents brûlants. Et le Jourdain s'ouvrira devant toi. Et ce qu'il t'a promis, l'héritage des nations, toutes ses bénédictions, il accomplira envers toi sa fidélité. Et ton témoignage sera un témoignage qui va compléter le témoignage des autres. Il y a des témoignages écrits, il y a des témoignages qui se racontent. Ton témoignage sera raconté que tu as été visité par Dieu et que tu as marché fidèlement selon la vérité. Une vérité qui n'est pas une philosophie, mais qui se démontre par des œuvres, par le bénéfice auprès des autres. Car le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Chaque jour, tu donnes ta vie par rapport à la vérité et aux épreuves que tu souffres. Pour que d'autres vivent. Le temps de témoigner est arrivé. Le temps d'avoir le zèle pour ce témoignage. Toi aussi, tu vas maintenant dire, je suis témoin des choses que j'ai vues, des choses que j'ai reçues, des choses que Dieu a manifestées dans ma vie. Je suis témoin des choses que nous vivons au CRC. Oui, je suis témoin. Et j'en attends des visitations, parce que Dieu nous conduit. Et notre avantage, c'est de nous laisser conduire par le Seigneur. Et non pas de nous enorgueillir, pour dire on sait. Non, c'est pour ça que la prière, le jeûne, c'est le caractère de ceux qui veulent marcher dans cette vision et d'être conduits par l'Esprit, non seulement à recevoir pour votre vie, pour vos maisons, pour vos familles, le bénéfice de cette onction, mais à être un instrument que Dieu va utiliser pour que d'autres aussi témoignent que Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur nous a conduits. Et comme il a conduit les anciens, et le témoignage de notre bien-aimé Paul ici doit nous établir dans un temps nouveau. Dans un temps où maintenant, nous devons passer à autre chose. Nous devons nous donner les moyens de témoigner encore plus fort, encore plus amplement. La France doit connaître que Jésus-Christ est Seigneur. La France a besoin d'être revisitée par le Seigneur. L'Europe et toute notre génération.
Aujourd'hui, beaucoup de moyens de témoignage sont là. Les vies des uns des autres se tronchent. Chacun prend, parle par Internet, par toutes sortes de choses et tout. Donc le diable témoigne beaucoup. Mais s'il fait ce qu'il a à faire, personne ne nous empêche de faire ce que nous devons faire. Le zèle de la vérité, le zèle de l'amour de Dieu et le zèle de la justice doit nous embraser. Notre génération a besoin de nous. Ta génération a besoin de toi. Ne te néglige plus. Car Dieu t'a marqué depuis le sein maternel. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'ignorance et un temps pour la connaissance. Il y a un temps pour expérimenter les choses du monde comme l'enfant prodigue. Mais il y a un temps pour servir le Seigneur de tout ton cœur. Il y a un temps pour se laisser embrouiller, mais il y a un temps pour témoigner des choses que tu sais. Et il y a un temps pour agir. Et nous sommes dans le temps pour agir. Amen. Nous allons nous mettre debout tous ensemble et nous allons invoquer le Seigneur. Bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur en ta faveur. Seigneur Jésus, me voici devant toi, comme Paul sur la route de Damas, où tu lui es apparu pour témoigner que tu es Dieu. Seigneur, tu l'as changé, tu l'as transformé par la visitation de cette vision céleste. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné dans les ténèbres du dehors. Tu ne m'as pas abandonné dans la mort et dans les liens de la mort. Mais tu t'es souvenu de moi comme tu t'es souvenu de Saul de Tarse sur la route de Damas. Et tu m'as visité par le Saint-Esprit afin que je connaisse la vérité et que je choisisse et que je me tienne dans la vérité. Aujourd'hui, j'accepte de me remettre en cause afin de voir si je marche dans la vision céleste, dans la vision du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, donne-moi la force de me tenir dans la vérité, de marcher dans la vérité. Donne-moi l'amour de la vérité afin que je sois semblable à toi, car tu es venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi maintenant, en tant que ton disciple, je veux rendre témoignage à la vérité dans ma maison, dans ma famille, dans ma nation et dans ma génération. Ô Seigneur, sanctifie-moi ce matin. Délivre-moi de l'étau des idéologies de ce monde, des traditions et des coutumes, des traditions religieuses, des traditions culturelles, des traditions ethniques. Délivre-moi du poison de Satan qui vient au travers de ces choses. Mais Seigneur, que la vérité éclate devant moi. Oui Seigneur, comme Paul sur la route de Damas. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité. Délivre-moi de mes égarements, de ma confusion, de l'endurcissement du cœur. Purifie mon cœur, sanctifie-moi pour te servir et pour servir ton peuple. Seigneur, je te dis merci pour la vision céleste et pour la grâce de marcher fidèlement selon la vision céleste dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur pour la vision du centre du réveil chrétien qui nous réunit et qui nous conduit dans l'accomplissement des temps prophétiques pour la gloire de ton Église et pour que notre génération soit visitée d'en haut et que les âmes soient sauvées en foule et que l'injustice soit renversée. Éternel, tu es notre avant et notre arrière-garde et tu marches au milieu de nous le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu pour nous éclairer de la lumière, de la vérité. Merci Seigneur,
pour l'héritage des sanctifiés que tu m'accordes à moi et à ma maison, à ma famille et au peuple de Dieu. Je te rends grâce pour le Saint-Esprit.